5 croissants et 5 pains au chocolat, s'il vous plaît. Alors, ce soir, les filles, je vais vous préparer plein de petites choses, comme ça, il y en aura pour tous les goûts, n'est-ce pas, Carole? Jusque demain, en fait, que tu cuisines. Mais non, c'est plein de petites choses, il faut manger, les filles, il faut prendre des forces. Qu'est-ce que tu vas nous faire d'autre à manger? Ah, ben, je vais te montrer. Voilà, je vais faire des légumes grillés. Ouais. Et aussi des brousquettes, tu vois, ici, avec de l'aubergine. Oui. Petites tomates. Oui. Et les champignons avec un peu d'huile de truffe. Ah, mon. C'est ton boulot, Sophia, de cuisiner? Mais en fait, c'est plus une passion que mon job à temps plein. Je cuisine, c'est comme une seconde nature, en fait. Je fais ça depuis que je suis toute petite. C'est carrément une philosophie familiale chez nous. On parle à manger du matin au soir. C'est bien, ça. Ouais. Coucou. Hello. Ça va? Tout se passe bien? On vient un peu surveiller pour voir que vous ne mettiez pas d'ail dans les brochettes. Ouais, c'est ça. Celle-ci, là. On va faire des petits lopitas. Bon, ça paraît un peu barbare comme ça, hein. Mais donc, c'est des pâtes feuilletées fourrées à la feta. Alors, on prend le pinceau avec le beurre. Alors ensuite, on prend une cuillère de notre préparation à la feta. On prend le bout à l'extrême droite et on le ramène. Ensuite, on le replie. Tout droit, tout droit. Tu les plus au fond ? Au fond. Et voilà. Waouh. Oui. Elle est belle. Ah, wow. Les filles, Tina, à la santé de Big Five. Allez les filles, bon appétit, c'est bon. Pour moi, un repas, c'est pas se remplir le ventre, quoi. C'est vraiment du plaisir pour moi de cuisiner, mais aussi de voir que les gens sont heureux.